Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les différentes ascendances et les lignées disponibles dans Solasta, comprenez par là les races et les sous-races. Alors c'est du Donjons et Dragons 5ème édition, donc peu de surprises pour certains d'entre vous. Néanmoins, on est sur le SRD 5.1 et les développeurs ont ajouté quelques races et quelques règles personnalisées. J'espère que cette vidéo vous aidera à y voir plus clair et qu'elle vous aidera à faire vos choix avant de vous lancer dans l'aventure. N'hésitez pas à partager vos idées de build dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous plaît. Il y a 5 races principales et 3 sous-races disponibles dans le jeu. Allez, on va lancer la création de personnages pour détailler tout ça. La première ascendance, ce sont les robustes nains. Qu'ils soient nains des collines ou nains des neiges, ils parleront tous la langue commune ainsi que le langage de leur peuple. Ils auront un bonus de constitution de plus 2 qui sera appréciable pour toutes les classes de mêlée, mais également pour les classes qui utilisent des sorts qui demandent de maintenir la concentration. Ils auront également une résistance aux dégâts de poison ainsi qu'un avantage au jet de sauvegarde contre le poison, ce qui leur donne des capacités défensives supplémentaires. L'arsenal d'armes qu'ils maîtrisent grâce à leur classe sera également complété par les haches d'armes, les hachettes et les marteaux de guerre, et enfin, la vision dans le noir leur permettra d'être moins affectés lorsqu'ils combattent dans un environnement sombre, ce qui arrivera souvent que ce soit dans les donjons ou lorsque vous combattez de nuit. Bref, ils ont de solides atouts pour incarner toute une série de classes, mais en contrepartie, ils ne se déplaceront que de 5 cases par tour, ce qui est la vitesse la plus basse. En plus de ces bonus, les nains des collines auront également un bonus de sagesse de plus 1 et ils gagneront 1 point de vie supplémentaire par niveau. Avec tous ces traits ratios, ils feront de bons candidats pour incarner un clerc, puisque la sagesse est leur caractéristique d'incantation, mais en plus de ça, une bonne constitution les aidera aussi bien à maintenir leur concentration qu'à tenir le coup un peu plus longtemps au corps à corps. Ils auront de bonnes capacités de survie et leur maîtrise d'armes sera plus variée que les clercs incarnés par certaines autres races, ce qui leur permettra notamment d'utiliser de meilleures armes à une main. De manière plus générale, ils feront de solides combattants en mêlée, même si les bonus de caractéristiques dont ils disposent ne leur permettront pas forcément d'être les meilleurs dans toutes les spécialités des autres classes. Concernant leurs cousins les nains des neiges, ils n'auront pas de bonus de sagesse mais un bonus de dextérité de plus 1 à la place. Ils auront également la maîtrise de l'arbalète lourde en plus ainsi qu'un bonus de plus 2 à leur jet de sauvegarde de constitution. Pour le clerc, ils perdront donc le bonus très intéressant de sagesse, donc les effets de leur sort pourraient être un peu moins puissants, mais en contrepartie avec ce nouveau bonus sur leur jet de sauvegarde de constitution, ils deviennent pratiquement immunisés à certaines attaques et ils auront de meilleures chances de maintenir leur concentration. Même si le bonus de sagesse de l'autre lignée peut également être utile aux rôdeurs avec leur bonus de dextérité, ils pourraient également incarner de robustes et puissants combattants basés sur la dextérité, que ce soit avec des armes à distance ou des armes de corps à corps ayant la propriété finesse. Alors la seconde ascendance, les demi-elfes, sera assez versatile puisqu'elle disposera d'un bonus de charisme de plus 2, mais également un point de plus à ajouter dans deux autres caractéristiques. Ils auront une vitesse de déplacement de 6 cases, ce qui est la valeur moyenne la plus commune, et ils pourront choisir la maîtrise de deux compétences supplémentaires. Tout comme la plupart des races, ils auront la vision dans le noir qui leur permettra d'attaquer plus souvent sans malus malgré le manque de luminosité, et grâce à leur ascendance féerique, ils auront un avantage sur les jets de sauvegarde contre l'envoûtement ainsi qu'une immunité au sort de sommeil. Ils parleront la langue commune, l'elfe, et ils pourront également choisir une langue supplémentaire au choix. Alors globalement, c'est une race qui est bonne pour à peu près toutes les classes, mais qui ne sera pas forcément toujours la meilleure. Pour le moment, ils sont particulièrement indiqués pour jouer un paladin avec leur gros bonus de charisme, et une autre classe utilisant le charisme comme caractéristique d'incantation devrait faire son apparition, j'ai nommé l'ensorceleur. La flexibilité que vous offrent les deux points additionnels dans deux caractéristiques vous permettra d'atteindre des valeurs très correctes pour répondre aux recommandations de la plupart des classes. Par contre, pour une majorité d'entre elles, le gros bonus de charisme sera généralement très peu utile, si ce n'est éventuellement pour vos compétences. Par contre, leurs autres traits ratios sont quant à eux toujours très utiles, que ce soit la vision dans le noir ou l'ascendance féerique, mais l'air de rien, dans un groupe, avoir la maîtrise de deux compétences supplémentaires, c'est pas si mal, puisque ça vous permettra, si vous optimisez correctement vos personnages, d'en couvrir un plus large spectre. Alors viennent ensuite les humains, qui sont grosso modo la race de base par excellence, qui peut tout faire de manière très correcte, sans pour autant exceller, ou en tout cas sans avoir de traits particulièrement intéressants, si ce n'est la flexibilité qu'offrent les bonus de caractéristiques. Ils pourront se déplacer à vitesse moyenne, ils auront un bonus de plus 1 dans toutes les caractéristiques, et ils connaissent la langue commune ainsi qu'une langue supplémentaire de votre choix. D'un point de vue caractéristique pur, ils auront de quoi incarner toutes les classes de manière performante, mais les humains sont une des deux seules races qui ne disposent pas de la vision dans le noir, et c'est tout de même une grosse contrepartie. Ça signifie que votre humain aura régulièrement des désavantages dans toute une série d'environnements, et que vous devrez en permanence vous soucier du niveau de luminosité autour de lui. Alors c'est pas forcément très compliqué de le faire, il y a de nombreux sorts, d'objets ou d'éléments interactifs avec lesquels vous pouvez jouer pour que ça soit pas un problème, mais ça reste un point d'attention qui vous coûtera des actions, parfois des emplacements de sorts, etc. Alors pour en avoir fait l'expérience, je sais qu'il existe dans le jeu un anneau qui permet à son porteur d'avoir la vision dans le noir, donc personnellement ça a définitivement réglé mon problème puisque je ne jouais qu'avec un seul humain dans le groupe, mais ça reste un point d'attention.
Alors comme je vous le disais, au niveau des classes, il n'y a pas vraiment de recommandations particulières puisque vous pourrez monter de manière très correcte n'importe quelle caractéristique. Selon moi, il n'y a pas vraiment de sacrifice à faire au niveau des caractéristiques avec cette race. Par contre, les autres races ont quand même des traits ratios très intéressants. Alors tout comme les nains, les elfes pourront également être de deux lignées, les hauts elfes et les elfes sylvains. Ils auront tous un bonus de dextérité de plus 2, la vision dans le noir et l'ascendance féerique qui, tout comme pour les demi-elfes, leur octroiera un avantage sur les jets de sauvegarde contre l'envoûtement ainsi qu'une immunité au sommeil magique. Ils auront également la maîtrise de la compétence perception ainsi que la maîtrise des épées courtes et longues ainsi que des arcs courts et longs, ce qui offrira une flexibilité intéressante supplémentaire en termes de création de personnages. Enfin, ils devront se reposer moins de temps que les autres personnages, mais là par contre, on va pas se mentir, ce sera pas particulièrement déterminant. Concernant la première lignée, les hauts elfes sont formés à la magie depuis leur plus jeune âge et par conséquent, ils auront également un bonus d'intelligence de plus 1 ainsi qu'un sort mineur à choisir parmi les sorts mineurs de magiciens. Ils pourront se déplacer à vitesse moyenne de 6 cases par tour et parleront la langue commune, l'elfique ainsi qu'une langue supplémentaire que vous pourrez choisir. Évidemment, avec un bonus d'intelligence et de dextérité, ils seront parfaits pour incarner un magicien. L'intelligence étant leur caractéristique d'incantation, leurs sorts auront plus de chances de toucher leurs adversaires et comme ils porteront des armures légères, leur modificateur de dextérité sera ajouté entièrement à leur classe d'armure. Autrement dit, plus sa dextérité sera élevée, plus votre magicien esquivera ou limitera les dégâts de toute une série d'attaques, ce qui augmentera sa relativement faible survivabilité. En plus de ça, les maîtrises octroyées par la race leur permettront d'utiliser des armes de manière plus efficace puisque les arcs et les épées courtes fonctionnent avec la dextérité, ce qui là aussi vous octroiera un peu plus de flexibilité. Alors ces bonus de plus 2 en dextérité et plus 1 en intelligence pourraient également être très utiles à un roublard de sous-classe Tisserand du Crépuscule ou alors à un build guerrier basé sur la dextérité ayant la sous-classe Mage Lame puisque ces deux sous-classes pourront lancer des sorts avec l'intelligence comme caractéristique d'incantation. Les elfes Sylva auront quant à eux deux poids de dextérité liés à la race ainsi qu'un bonus supplémentaire de plus 1 en sagesse. Ils se déplaceront plus rapidement que les autres classes, 7 cases par tour, ce qui peut être un bon avantage en combat, et ils parleront la langue commune, l'elfique ainsi que le langage des alphelins. Ils auront également la maîtrise de l'athlétisme et de la survie ainsi qu'un avantage sur la survie, ce qui vous permettra plus rapidement de percevoir les forces et les faiblesses des créatures que vous affronterez. Alors dextérité plus sagesse est le combo parfait pour un rôdeur basé sur la dextérité. Son bonus de sagesse lui sera utile pour les quelques sorts qu'il aura à disposition et une dextérité élevée lui permettra d'utiliser les armes à distance et les armes finesse beaucoup plus efficacement. Les maîtrises de compétences seront toujours intéressantes quelle que soit votre classe et une bonne vitesse de déplacement l'est tout autant. Il pourrait également faire un bon clerc basé sur la dextérité, d'une part pour son bonus de sagesse, mais également parce qu'il gagne la maîtrise de l'épée courte et de l'arc long, ce qui vous permettra d'en faire un combattant au corps à corps ou un combattant à distance plus que correct. Enfin la dernière race, les alphelins, des petits humanoïdes vaillants, agiles et chanceux qui pourront être soit des marais, soit des îles et qui auront tous un bonus de dextérité de plus 2 ainsi qu'une vitesse de déplacement de 5 cases par tour. Ils auront un avantage lorsqu'ils réaliseront des jets de sauvegarde pour ne pas subir le statut effrayé, ce qui sera toujours utile. Ils pourront également relancer leurs dés et utiliser le nouveau résultat dès qu'ils feront 1 sur un jet d'attaque, un jet de caractéristique ou un jet de sauvegarde, et ils pourront se déplacer dans la zone de n'importe quelle créature plus grande, ce qui signifie qu'ils pourront traverser la case plutôt que de devoir contourner les ennemis. Ça leur offrira un bonus de mobilité assez situationnel mais qui viendra de temps en temps contrebalancer leur faible vitesse de déplacement. Les alphelins des marais auront également un bonus additionnel de constitution de plus 1 ainsi que la vision dans le noir. Ils parleront la langue commune ainsi que la langue des alphelins et les zones marécageuses seront leur terrain favori, ce qui leur offrira quelques bonus lors de leur voyage. La race sera parfaite pour incarner un roublard puisqu'il aura besoin d'une constitution correcte pour combattre dans la mêlée et une dextérité élevée leur sera primordiale puisque vous devrez utiliser des armes à distance ou des armes ayant la propriété finesse pour effectuer vos attaques sournoises. Alors ces bonus de dextérité et de constitution seront intéressants pour créer n'importe quelle classe de combattant basée sur la dextérité, par contre vous risquez de manquer de charisme dans le cas d'un paladin et de sagesse dans le cas d'un rôdeur ou d'un clerc. Ce sera donc pas forcément le choix le plus optimal, bien que leur trait ratio et leur capacité de survie soient également intéressantes. Enfin, les alphelins des îles auront quant à eux un bonus de plus 2 en dextérité lié à la race ainsi qu'un bonus de plus 1 en charisme. Ils auront un avantage sur les jets de dextérité liés à la compétence acrobatie et parleront la langue commune, le alphelin ainsi qu'une langue supplémentaire de votre choix. On pourrait par exemple imaginer un paladin basé sur la dextérité vu que la race dispose d'un bonus de charisme tout aussi intéressant que le bonus de constitution de leur cousin des marais, par contre ils n'auront pas la vision dans le noir ce qui pourrait être un obstacle assez important. Quoi qu'il arrive avec ce gros bonus de dextérité ils feront également de très bons roublards qui pourront par exemple mettre en avant certaines compétences sociales. Alors évidemment c'est du Donjons et Dragons donc il y a des choses qui sont plus optimisées que d'autres mais les possibilités de build viables sont très nombreuses, votre race n'étant qu'un des éléments à prendre en compte. En plus de ça, en fonction du système que vous utiliserez pour déterminer vos caractéristiques, vous aurez plus ou moins de flexibilité. Par exemple, si vous utilisez le système d'achat de points,
Les bonus ratios seront plus déterminants. Si vous lancez les dés une fois, deux fois, cinq fois, dix fois ou vingt fois, forcément vous pourrez avoir de bonnes valeurs dans n'importe quelle caractéristique. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.